Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une émission qui a cartonné, Star Academy. Star Academy, c'était une émission de télécrochet, un petit peu comme le petit conservatoire de Mireille. Le petit chemin qui sent la noisette. Mais avec beaucoup plus d'argent. La grande autoroute qui sent le caviar. Les candidats étaient enfermés dans un château luxueux, mais ils n'avaient droit qu'à une minute pour appeler leurs proches. Ouais, comment j'ai trop kiffé sur le prime. Trop de la balle. Ouais. Hier, on a fait des crêpes et on... Oh, faut que je te lâche, j'ai plus le temps, c'est horrible, des bois, j'ai craqué, j'en ai marre, j'ai vomi, j'en peux plus, toutes ces connes à bagarre, bisous. Comment c'est trop dur, t'as vu? Les élèves avaient toutes sortes de cours dans le château. Et curieusement, il n'y avait pas du tout de cours de français. Y en a qui croient que c'est easy d'être dans le château. Non, mais ils hallucinent grave ou sa mère. J'ai failli le mettre en marave, là. Trop nonchalamment, là, comme ça, t'as vu? L'autre crevard, il m'a mis deux en solfège. Mais d'où il hallucine, lui? Genre comme quoi je suis pas trop féminine, truc de fou. Sa mère, on a ri, lol. Il y avait Armand Altaï, vous savez, la prof d'onomatopée. Ouais, ouais, ouais. Voilà, la grâce. Oui, puis il y avait la fille de la chanteuse, là, qui réveillait les élèves le dimanche matin avec la cassette du prime de la veille. Qu'est-ce qu'elle était méchante. Lui, truc à vous dire, prime d'hier soir, de la merde. Crache en chewing-gum et tu dégages. Et puis pour diriger le tout, il y avait le directeur du château. Au tout début, il y avait Alexia Laroche-Joubert. Après, il y a eu la grande molle. Du coup, ils ont rappelé Alexia Laroche-Joubert. Et puis, il y a eu Gérard Louvain et son célèbre sens de la pédagogie. Show business, les mecs! Vous faites le show, moi je fais le business. Amour, nouveauté, politesse, émotion. Quatre lettres à retenir. Vous sortez du château, vous pensez à NPE, ça va vous aider. Rareté, magie, instinct. Ah ben, j'ai pété, les mecs! Générosité, passion, travail, il faut les faire rêver! Oui, bon, bah du coup, ils ont rappelé Alexia Laroche-Joubert. Et puis il y avait Armand Altaï. Voilà, lunette. Oh voilà. Le prime était présenté par Nikos Aliagas. Il avait des fiches, une oreillette et un prompteur, et il savait pas du tout où il en était. On accueille tout de suite une grande dame de la chanson française, Justine Timberlake. Non, n'importe quoi. Accueillons maintenant la fille de Jacques Brel, Francisca, mesdames et messieurs, Francisca Brel. Avec des fiches, c'est pas vrai. Toute cette débauche de luxe, d'argent et de paillettes, c'était pour faire quoi finalement? Ben, le petit conservatoire de Mireille. Tout ensemble, le petit chemin qui sort. Bon, en fait, c'était ça, Star Academy.